Salut à tous, c'est Tsuko et c'est les membres de la folie, bande de Yamanguru. Tout simplement aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup des abonnés se posent en question. Bon, ça me fait bizarre comment j'ai dit. Hein. Okay. En gros, comment coucher avec une fille au premier rendez-vous? Est-ce qu'en coucher c'est bon ça? Quand coucher? Ah non, est-ce que c'est bon ou pas Yakoub? Yakoub, s'il vous plaît, c'est bon? C'est bon, ouais, t'inquiète. Voilà, donc on va voir les filles pour leur demander gentiment. Okay. C'est bon ou pas? Comment coucher? Comment coucher pour rendez-vous? Okay. Non, c'est est-ce que fille, on déjà couche au premier rendez-vous en vrai? Mais. Vas-y, non mais du coup on recommence. Salut à tous, c'est Tsuko, c'est Manda Folie, bande de Yamanguru. Alors tout simplement aujourd'hui, on va aller voir les filles tout simplement. Et on va leur demander un truc que vous voulez tant savoir. Est-ce que les filles ont déjà couché au premier rendez-vous? Parce que vous aimez bien tremper votre zubi. Donc on va savoir ça. Zubi. Voilà. Salut, tu vas bien? Ouais, toi? Bien. T'as tué combien de renards pour avoir ça là? Non mais c'est de la fausse parce que j'aime pas les vrais. Ah, c'est bien. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, normal, hein, normal. Hein. Ouais. Il pleut dehors, déjà, ouais, je suis mouillé. Mon brushing, il est cassé, là. Tu vois. Ouais, moi, alors. Ouais, c'est dur, hein. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, donc, t'es bien posé, tranquillement, c'est bien. Hein. Oui. Voilà. Salut, tu vas bien? Ça va. C'est des belles boucles d'oreilles. Hein. Merci. Ça fait penser au cerceau en primaire, là. Tu vois, là. Bon, alors, du coup, j'ai une question à te poser qui va être un peu osée. Ok. Bon, est-ce que tu as déjà fait l'amour au premier rendez-vous? Non, pas du tout. C'est un principe de vie ou c'est parce que c'est un peu dérangeant ou c'est quoi? Non, c'est un principe, voilà. Okay. Est-ce que par hasard, tu as déjà fait l'amour à un homme au premier rendez-vous? Jamais. C'est un principe ou c'est parce que ça te dérange un petit peu de coucher comme ça? Bah, déjà, le premier rendez-vous, on se connaît pas, donc ça sert à rien. Et ouais, c'est par principe aussi. Même si l'homme il est sexy, même s'il est sensuel? Non. Mais il peut attendre. Il peut attendre. D'accord. Non, jamais. Avec un plan cul ou un homme ou compagnie, jamais? Non, jamais au premier rendez-vous. Jamais? Non. C'est un principe ou c'est... Je pense que c'est un peu un principe, genre... D'accord. Ouais, je trouve que c'est pas... C'est mal vu, tu veux dire? C'est pas en fait, je trouve, dès le premier rendez-vous. D'accord, ok. Ça, c'est trop vite, en fait. Okay. Tu n'as pas le temps de connaître la personne et... Il faut du temps quand même, avant ouais, de... Ouais, c'est ça, d'être boire sûr son et gibier, pas, ouais, pas regretter après, quoi. Ouais, comment ça regretter? Non, mais si, imaginons, on fait dès le premier rendez-vous ouais. Et après, du coup, c'est une mauvaise personne, même un plan cul ou quoi. Ouais, je vois, genre, c'est ouais. Ça. Mais est-ce que tu as déjà fait l'amour avec un homme au premier rendez-vous? Jamais. C'est un principe de vie ou parce que t'as pas envie? Bah, c'est un principe de vie parce que j'ai pas envie aussi. Okay, les deux quoi. Avec un homme au premier rendez-vous? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. Pourquoi? C'est un principe de vie? C'est parce qu'il y a eu quoi? C'est parce que... Non, c'est... Nous, on a les principes, hein. C'est pas... Enfin, moi, personnellement, je vais pas faire ça, quoi. Ok, d'accord. Je suis avec un homme au premier rendez-vous? Non. C'est un principe de vie ou c'est parce que t'as pas trop envie ou c'est comment? C'est un principe de vie. Alors, du coup, est-ce que tu peux en dire plus de ce qui se passe un petit peu? En général, c'est au c'est au feeling. Il y a un truc, tu vois, la petite étincelle genre, lors du rendez-vous. Ouais. Il y a une envie, tu vois, qui se fait. C'est bon, des fois, non. Des fois, une envie. Hein. Voilà, il y a une envie, il y a une attirance dans le regard. Un peu sensuel, tout ça et tout, c'est important. Un petit premier baiser au début, ça te donne envie d'aller. Est-ce que par hasard tu as déjà embrassé un homme au premier rendez-vous? Embrassé? Non. Non plus? Non. D'accord, c'était arrivé. Non. C'est un principe de vie ou c'est parce que t'as pas trop envie de... Non, parce que je brûle pas les étapes, je vois pas l'intérêt de brûler les étapes. Tu vas doucement? Ouais, petit à petit. Petit à petit? Step by step quoi. Step by step, pas... ok. Non. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà embrassé un homme au premier rendez-vous? Non. Pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. Mais imagine qu'il se brosse bien les dents, il est propre. Non. Même pas, tu veux pas? Est-ce que par hasard tu as déjà embrassé un homme au premier rendez-vous? Embrassé? Embrasser pas du tout non plus. Non plus? Non. Ah ouais, d'accord. Il faut faire galérer. Ah, t'aimes bien faire mariner le mec pour qu'on voit si voilà, il insiste ou pas quoi. Ouais, voilà. Ah, intéressant. Ouais. Ah, ça va. Ouais. Un bisou, ça va. Un bisou, c'est pas méchant. Un bisou, ok. Ça, embrasser un homme au premier rendez-vous? Non. Non. Ok. Ouais. Ah, ça oui. Ça, ouais. Parce que l'homme était plutôt gentil, doué, c'est pour ça qu'il t'a mis à l'aise. Voilà, exactement. Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. Ça va. D'accord, ok. Bah, du coup, je te pose la deuxième question, mais je pense que tu vas me répondre oui. Est-ce que tu as déjà embrassé un homme au premier rendez-vous? Oui. Bah, du coup, ouais. Alors, dis-moi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos abonnés? Comment embrasser une fille au premier rendez-vous? Un petit conseil à donner. Déjà, être honnête avec la personne et puis. Ouais. Voilà, essayer de la regarder dans les yeux, être un petit peu mystérieux et romantique à la fois. Mystérieux et romantique, ouais. C'est mal ça. Hein. Ça okay, va mélanger un peu les deux. Ok. Et jouer un peu le chaud et le froid. Ouais, voilà. Ok. Bon, nickel. Bah, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup en tout cas. Bah, alors, pour les abonnés, est-ce que tu aurais un conseil à donner comment on peut coucher avec une fille au premier rendez-vous? Un petit conseil à donner parce qu'eux, ils veulent savoir.
Un petit conseil à leur donner. Bah ça dépend des filles déjà. Ouais. Ça va être compliqué hein, d'embrasser une fille au premier rendez-vous. Ouais. Mais après si elle est vraiment chaude pour ça, bah c'est qu'elle se respecte pas trop je trouve. D'accord. Qu'elle va trop vite et que le gars il la prendra pour une conne et ça sera de passage quoi. Donc, d'accord, que ça marche. En tout cas merci pour tes réponses. Hein. Merci. D'accord, merci. Okay. Pour embrasser une fille au premier rendez-vous. Ouais, un petit conseil à donner à nos abonnés, tu vois. Faut être un petit peu drôle. Ouais, un petit peu. Attends. Prends ton temps, y'a pas de soucis, prends ton temps. Un garçon ? Ouais, parce que mes abonnés sont curieux. Ben, j'en ai aucune idée. Pas un petit conseil ou des petites phrases qui vont marcher ? Ben, je pense que coucher avec quelqu'un, c'est beaucoup plus qu'un contact physique, c'est quelque chose de très profond. Ouais. Genre, c'est un lien d'âme, en fait, qui se crée. Et je pense que, généralement, si on veut avoir... Enfin, coucher avec quelqu'un au premier rendez-vous, enfin, déjà, moi, je le dis, mais il faudrait déjà qu'il y ait le lien, genre, émotionnel, et qu'il y ait le lien, genre, intellectuel, parce que je pense qu'on ne doit pas se mettre, comme la phrase qui dit, te mets pas tout nu devant quelqu'un qui n'a jamais vu ton âme toute nue. Et je pense que c'est important que avant de donner son corps à la personne, cette personne nous connaisse déjà entièrement aussi. Entièrement carrément ? Pas entièrement. Donc même pour, tu penses, un plan cul ou une relation d'un soir, il faut connaître la personne entièrement, tu penses ? Alors, faut mettre à l'aise, être drôle et faire le mec un petit peu désiré. Désiré ? Ouais. Donc le mec un peu chaud-froid, quoi, un peu... Voilà. D'accord. Bah, en tout cas, très bon conseil hein, de sa part. Très en graine. Hein. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie. Okay. Je pense que... Bah, après, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, je ferai pas ça. D'accord, que ça marche. Ouais. En tout cas, je te remercie. De rien. C'est nickel. Hein. J'ai pas de conseils à vous donner, faut pas faire ça. Pas de conseils ? Non. Okay, bon, pas de conseils, hein. Désolé les abonnés, hein. Désolé. Hein. Bon, ok. Conseil à leur donner. Ouais. Parce que les mecs, des fois, ils se posent 10 000 questions, tu vois. T'as un conseil à leur donner, un petit conseil. Que le rendez-vous se passe bien, quoi. C'est quoi pour toi un bon rendez-vous ? Exemple. Bah, que tu t'entendes bien avec la personne, ouais. Que. Je sais pas, quel feeling, tout ça, quoi. Feeling. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier ou pas ? Un lieu. Un lieu ? Un lieu, ouais. Non, pas spécialement. Ok, d'accord. Après, chicha, tout ça, non, quoi. Ah. Mais. C'est bon, voilà, ok. C'est normal, quoi. Ok, ça va. Bah, nickel, donc merci à toi. Hein. Rien. Nickel, ouais. D'accord. Des petits conseils à donner. Ouais, déjà, il faut que le garçon, il soit, comment dire, il fasse rigoler. Enfin, marron. C'est pas, ouais, voilà. Il faut pas, on va au ciné, il pose directement sa main. C'est pas des trucs comme ça. Ah, non. Pas des approches directement, voilà. C'est petit à petit, en fait. C'est pas en, même pas une semaine, deux semaines que ça va. D'accord. Donc déjà, marrant. Marrant, il faut qu'il soit, comment dire, tu vois, physiquement, il faut qu'il soit bien, quoi. Comment physiquement tu veux dire Moi après c'est pas que le physique mais déjà physiquement il faut qu'il me plaise de base. D'accord, ok. Voilà. Faut qu'il soit propre sur lui quoi en gros. Faut pas qu'il soit oui, sale. Qu'il soit propre, voilà. Pas qu'il ait les ongles noirs ou non, les dents. Rien, non, noires. C'est ça, je dirais que ça fait partir les filles. Voilà, ok, d'accord. Ok. Ouais. C'est tout après Ok, mané. Oui, enfin. C'est tout. C'est tout, ok. Bon bah merci hein, bah, vous avez écouté hein, les abonnés, hein, c'est important. Hein. Donc, merci à toi en tout cas. Merci. Excellent. Non, c'est pas possible. Pas possible, d'accord. Ah, dis-moi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos abonnés ? Comment embrasser une fille au premier rendez-vous, s'il te plaît ? Parce qu'eux sont curieux, ils veulent savoir tout. Bah, je sais pas, si vous sentez que c'est la bonne, bah, vous l'embrassez, voilà. Comme ça ? Ouais, voilà. Ok. Et ça passe ? Ouais, ça passe normalement. C'est très bien. Bah, on va essayer, hein. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Donc, vous avez des réponses assez claires et tout. Bon, pas toutes les réponses que vous voulez. Putain, j'ai vertige là maintenant là. Ouais. Mais mettez un pouce bleu. Team Yamanguru. Team Yamanguru dans les commentaires, je vois ça. Hein. Bon.